Avant la consécration, proclamons qu'il y a déjà ouverture de la deuxième session. Proclamons-le ensemble. Nous proclamons que la deuxième session de l'Académie passera. La deuxième session de l'Académie des pasteurs ouvre ses portes ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi vient de s'ouvrir à Abidjan la deuxième édition de l'Académie pastorale ce vendredi 1er mars, précisément à 0h30 au temple d'Adjamé en présence des premiers académiciens composés de 23 pasteurs venus de Koumé, de Douala, de Garoua, du Tchad, de la République de la Centrafrique et de plusieurs autres villes du Cameroun, ainsi que des anciens de l'église d'Abidjan, des missionnaires, des dirigeants ordonnés et d'autres en formation. Une édition qui s'ouvre dans un contexte de défis majeurs en termes de besoins pastoraux pour nos églises et qui représente pour le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, un fardeau profond si bien présenté par le chef de délégation, le frère Jean-Paul, à l'occasion de cette nuit d'ouverture. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence ici, à ce cours. Je voudrais dire d'emblée que nous que vous voyez ici ce soir, personne n'est venu de lui-même. C'est un fardeau réel dans le cœur du frère Théodore. La plupart d'entre nous ont été choisis nommément, surtout ceux qui sont au quartier général. Et le même jour, il a donné des instructions que la nation spirituelle de Garoua soit appelée, que Douala soit appelée, et que ces églises apprêtent des missionnaires pour envoyer ici à l'école. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Nous sommes venus parce qu'il avait un fardeau, et il a un fardeau réel dans son cœur pour ce qui concerne la croissance des églises au niveau de la base, d'abord au quartier général, et au niveau des églises tout autour, au Cameroun. Et l'un des fardeaux majeurs, c'est les effectifs. Nous travaillons, nous gagnons les âmes, nous évangélisons, mais nous avons un problème. C'est qu'après un temps, on se rend compte que plusieurs n'ont pas intégré. Il y a quelque chose qui manque. Le frère Tedon nous a envoyé avec comme un cri de cœur, parce que le jour où il priait pour nous, il a crié, « Oh Dieu, fais que tes enfants reviennent étant totalement transformés. Fais que là où ils vont, qu'ils reçoivent la haine des œuvres du diable dans la vie des gens, dans la vie de leurs brebis. » Qui reçoivent la compassion pour les brebis qui souffrent, pour les brebis que le diable est en train de maltraiter, qui soient des instruments que Dieu va utiliser pour la croissance de l'Église. Et nous avons dit Amen. Et ça nous a beaucoup touchés de voir que le fardeau est réel, de voir que notre leader a un besoin, il a besoin des hommes formés, capacités pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Gloire à Dieu. Le besoin étant réel et le défi grand, la première action posée par le pasteur Meunier, orateur principal de cette académie des pasteurs, était d'emmener les saints à confier, à travers des prières intenses, cette édition au bon berger, le Seigneur Jésus, seul capable de produire des bergers à sa ressemblance. Nous crions à toi. Nous crions à toi, le bon berger. Viens satisfaire à ce besoin. Oh, notre cri de cœur, c'est que tu descendes. C'est que tu descendes à cette édition, oh Seigneur Dieu, pour répondre à ce cri, pour répondre à ces larmes, pour répondre à ces cris, à ces supplications. Oh, souverain berger, nous te supplions. Ce fut aussi l'occasion pour le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire de dérouler quelques principales unités d'enseignement qui seront développées à partir du thème de cette édition,
implantation des églises locales et développement des ministères en vue d'une croissance numérique et qualitative, où une emphase sera mise sur le ministère de délivrance qui regorge plusieurs autres ministères avec pour but de rechercher la délivrance, l'épanouissement, la stabilité des brebis pour une croissance qualitative et quantitative. Comment implante-t-on une église locale? Et quand cette église locale est implantée, quels sont les ministères qu'il faut développer pour que cette église-là puisse croître numériquement et qualitativement? Une église implantée doit grandir en nombre et en qualité. Cette croissance en nombre et en qualité est impossible si on ne développe pas certains ministères pour soutenir le troupeau qui s'accroît. C'est dans ce processus que l'on rencontre les choses comme l'organisation de la prière. Ça devient les centres de prière, les maisons de prière, les groupes de prière, les chaînes de prière. C'est l'une des choses, l'une des principales choses qu'on doit développer. Et on en parle abondamment dans notre ministère. On peut développer le ministère du jeûne. On peut faire en sorte que chacun puisse jeûner, même si c'est un jour. Que toute personne puisse jeûner selon ses capacités. C'est là qu'on organise les choses comme les miséricordes. Mais l'une des principales choses à développer, c'est le ministère des délivrances. Si une église locale néglige la délivrance, le ministère des délivrances, elle verra les gens venir et les gens repartir. Les gens venir et les gens repartir. Elle pourra tourner autour d'un certain effectif, mais sans éclosion. Sans éclosion. Et c'est ce qui arrivera toujours. Plusieurs champs d'application seront créés pour rendre plus pratiques les modules enseignés et déjà les premiers jours seront investis pour briser les liens malsains de famille et autres des académiciens. De par sa riche expérience dans le ministère pastoral, avec des résultats probants et satisfaisants, le pasteur Meny a partagé plusieurs exemples de cas pratiques dans l'exercice de son ministère et qui ont été pour lui des cas d'école, montrant ainsi la responsabilité du ministre et la puissance de Jésus pour délivrer les âmes captives. La deuxième édition de l'Académie pastorale qui vient de s'ouvrir ce vendredi 1er mars et qui attend d'autres académiciens venant du Bénin s'achèvera le 30 avril avec un riche programme qui, de toute évidence, va transformer avec la grâce du Seigneur tous les académiciens présents à cette édition.